Well, I'm a big supporter and friend of Nicolas Sarkozy, and I wish him well. I think he's a remarkable man. I worked with him very closely over the Libya conflict. I think that was probably the closest that the British and French have worked together in the last 40 years. Mon Dieu, j'ai pas voulu vous fâcher, j'ai pas voulu vous vexer, j'ai pas voulu vous offenser, surtout simplement j'ai voulu signaler que nos amis britanniques, car c'est nos amis, vous le savez, ont choisi de donner la priorité aux services, et notamment aux services financiers. I'm full of admiration for Nicolas. Every now and again, he says something I don't agree with. Today, when he said that Britain is short of industry, we actually have a larger industrial sector than France, but we'll gloss over that. Que c'était un choix que je respectais, qui correspondait d'ailleurs aux liens historiques que nos amis britanniques ont avec nos amis américains, et que nous avons fait le choix de développer les services financiers et aussi l'industrie. C'est une spécificité qui nous rapproche peut-être plus de nos amis allemands par rapport à nos amis britanniques. But as I said, I don't want to stand in the way of what they think they need to do to sort out the eurozone. On est tous amis et merci de m'avoir posé cette dernière question qui visait à renforcer encore cette amitié, c'est bien ça, si j'ai bien compris hein, ce que vous exprimiez. Voilà. Non, non, on n'en a pas parlé du tout. Monsieur Cameron était là, il a participé aux discussions, même si, comme vous le savez, il a choisi de ne pas signer le traité dont il ne partage pas les objectifs, ce qui est tout à fait son droit.